Instabilité des dirigeants à la tête d'un club de football de la RDC parle autrement du Daring Club Motema Pembe de la capitale. Voilà l'identité qu'on pourra attribuer à cette formation de la capitale, et cela à la veille d'une grande rencontre, soit de la Ligue nationale de football ou encore des coupes interclubs de la CAP. On pourra compter autant des présidents à la tête des coordinations des Immaculés avec comme point de repère Feu Tatou Hilaire Lumbaï, la marque indélébile de Tupamaros. Élu un certain 28 mai 2002, l'homme au ballon magique avait convaincu les Immaculés et surtout l'ordre derby quinois. Tatou Hilaire restera pendant 4 ans à la tête du Daring Club Motema Pembe. Il annonça sa démission un certain 7 mai 2006. C'est le début de la cacophonie. Des dirigeants se sont succédés à tour de rôle. On en a vu de toutes les couleurs. Et pour calmer la tempête, un comité de crise a été installé avec comme tête d'affiche Feu Félix Sangwa. Quelques mois après, soit le 6 août 2007, Didi Kinoani a été élu par acclamation. Malheureusement, il n'était qu'un président fantôme. 3 jours après son élection, Didi Kinoani se rétracte de la direction du Daring Club Motema Pembe. Encore une crise, cette fois-ci, un homme inconnu par les Immaculés a été porté comme président. Mboyo Koni viendra ensuite. Jean-Charles Okotolo Lacombe, celui-ci ne fera que 8 mois à la tête du Daring Club Motema Pembe. Lelo, les années jours, on a besoin de décision pour la pour faire plaisir, les non-immaniens. Soit de novembre 2007 à juillet 2008. Toujours insatisfaits, les Immaculés voudraient eux aussi avoir un dirigeant militaire comme chez les voisins. Le 16 juillet 2008, le général Ondé Kané élu comme président des coordinations. Malheureusement, il n'a pas répondu aux attentes des Immaculés très exigeants. C'est encore une autre crise. Soyez le qui nous comme un niveau où ils habitent sur supporter. Il y a des dirigeants qui peuvent bien investir dans l'équipe qui habitent malheureusement. Dans l'assurance investissement pour supporter, tout ça la maîtrise. Cette fois-ci, c'est Charles Ntamboué qui dirige le club pendant cette transition avant de voir les Immaculés fouiller un certain Alain Soudizimamoto. Il dirigea les Daring Club Motema Pembe que pendant 5 mois, soit de mars 2009 jusqu'au mois d'août de la même année. Sous les règnes de ces derniers, l'équipe était minée par des divisions et querelles internes. Appuyée par les uns, le soutien sans condition au comité de direction dirigé de main de maître par M. Alain Soudizimamoto, lequel comité s'attelle à éradiquer le fléau des corruptions, des trahisons et des désordres organisés. Désavoué par les autres, face à cette zone de turbulence, il fallait les interventions de tous les anciens dirigeants qui finalement ont convaincu un vrai Daringman, ancien de Virunga, Antoine Moussanganya, porté à la tête du Daring Club Motema Pembe. Ce dernier, très discret de caractère, réorganise les choses. Il met tout le monde d'accord, comité des sages et anciens dirigeants unis pour l'avancement de leur très chère équipe. Résultat palpable. Après plusieurs années de tâtonnement, Daring Club Motema Pembe franchit les quarts de finale de la Coupe de la Confédération 2011. Les Immaculés retrouvent leur sourire aux lèvres. Gardant toujours sa stratégie, le comité des sages engage alors un bras de fer contre le comité Moussanganya. Cette fois-ci, le président des coordinations bénéficie du soutien des Immaculés qui reste très reconnaissant envers son apport. Attendez que le président Moussanganya ait démissionné, il a rejeté qui démissionne. Il n'est pas fanatique, il a toujours un président, il a toujours un poste à le président Moussanganya. Tu as besoin de président Moussanganya. Pour la mise en place de Moussanganya, son Moussanganya a des rings. Donc, pour le problème de Moussanganya, c'est des rings. Donc, il y a un moment, il y a grave. Il y a un moment, il y a qui tourne pour les rings. Donc, le président Moussanganya a des rings. Donc, depuis Moussanganya, il y a changement. Donc,
son joueur définitif aux avoirs. Voilà l'image qu'affiche le Daring Club Motema Pembe de la capitale à la veille de chaque compétition africaine. Aux Immaculés de mettre de côté leur querelle, étant donné dans moins d'une semaine, ils ont un match très important de 16e de finale de la Coupe de la Confédération. À bon attendeur.